President, please be seated. The chamber would like to give the floor to Judge Fenn to issue the oral ruling on the request to submit two documents by the defense counsel for Nguyen Chia. You may proceed. Thank you, President. There's a lot of numbers in this ruling, but dans I understand I don't have to go particularly slow because there is the oral ruling is in the, or written version of the oral ruling is in the interpretation booth. The chamber is seized of the Nguyen Chia defense request pursuant to internal rule 874 to admit into evidence two documents E319/59.2.4 and E319/59.2.5, which it intends to use today during the questioning of expert Kazumi Nakagawa. The chamber notes that the documents were disclosed to the parties only yesterday, September 13, 2016. Having heard the oral submissions by the Nguyen Chia defense, noting that the other parties do not object to the request, and further noting the requirements of internal rules 873 and 4, the chamber finds that the proposed documents satisfy the criteria of internal rule 874 and admits them into evidence. The chamber assigns E numbers as follows: E319/59.2.4 is assigned number President, the floor is given to the defense counsel for Nguyen Chia to continue putting questions. Thank you, Mr. President. La défense. And good morning. Merci, Monsieur le Président. Madame Expert. Madame l'Expert, à nouveau bonjour. May I allow to continue my questions? We just discussed earlier about the permettez arrangement of the male and male in the marriage. And based on what you said, it was based on the status and the economic livelihood of the two persons. It rarely happened that the poor guy was arranged to marry with the rich girl. So my question is about this arrangement. That in Khmer society, it was based on the economic status and social class of the two sides. Is my statement correct? Les deux familles conditionnaient le mariage. Est-ce exact? Est-ce que ce que je viens de dire est vrai? Thank you very much. There would be some exceptions. But in generally, il y a certainement des exceptions, mais je pense que de façon générale, ce que vous affirmez est juste. Thank you. Réponse. I also want to know merci. That je souhaite before également the savoir regime, si avant le régime du Cambodge démocratique, vos recherches were there any cases of the man and the woman who fell in love with each other, but because of the social and cultural restrictions that they were banned from marriage with each other. Se sont vus empêchés de se marier, interdits de se marier. It's a good question. Réponse. Très bonne question. And I do not recall, and I assumed that. Je ne me souviens pas et je fais partie du principe que pour les femmes, to marry with a man from particulièrement a completely different socio-economic
background may result in the damage of the family reputations. Demander à épouser un homme venant ayant un statut économique et social inférieur au sien ou complètement différent aurait pour conséquence ou nuirait à la réputation de la famille, eh bien je suis partie du principe, disais-je, qu'elle n'aurait pas osé. Demander un tel mariage. Now I would like to focus on the decision about the marriage. Yesterday you talked about the decision regarding marriage. Vous avez évoqué especially about la décision the de mariage. Woman's side, that the decision for the daughter to be married to a particular man was vous avez dit from the parents. Que c'était les parents d'une fille donnée qui and prenaient la décision du parti the man pour la had fille. To show respect to the parents of the daughters. Et vous avez dit que le futur gendre devait based respecter on your les parents research, de sa future épouse. How many percentage d'après vos recherches, among the people you interviewed parmi les personnes que whose vous avez marriage interrogées, were decided by their parents, not by themselves. Combien de personnes se sont mariées sur décision de leurs parents me, et pas let me clarify, de leur propre, you started et pas, the question en fonction de leur propre choix. To the man. Réponse. But your question excusez-moi, vous is avez about commencé par parler des hommes dans votre question. Permettez que je clarifie. Votre question porte sur tant les hommes que les femmes mariées avant les Khmer Rouges et quelle était la proportion d'hommes et de femmes à s'être mariés se sont mariés parce qu'eux en avaient fait le choix. C'est cela votre question. Because my time is short, question, toutes mes excuses, I would like to focus my question on the period before the DK regime that was before 17 April 1975. So my question now focusing on the period before the regime. Avant le régime. And then the another segment of question will focus on the period during the DK regime. Il y aura par la suite une autre série de questions axées elle autour de la période du Kampuchea démocratique. You said that before 1975, vous avez dit qu'avant 1975, daughters had to fulfill their obligations by respecting and following their parents' decision. En obéissant à la décision so my question prise to par you leurs is question, whether the decision for the daughter to get married, was the decision came from the parents or from the daughters themselves? Émanait-elle de la fille ou des parents? From my interviews before the Khmer Rouge time, réponse. D'après mes entretiens avant les Khmer Rouges, who proposed her own marriage je ne me souviens pas qu'une fille ait dit avoir proposé le mariage à ses parents. Donc dans tous les entretiens que j'ai conduits, c'était les parents qui décidaient de marier leur fille. Before 1975, réponse avant also, 1975, based on were there any couples who were not happy with their marriage? Il y a des couples qui n'étaient pas satisfaits. For example, the woman were not satisfied with the husband were not satisfied with the woman. Were there such cases? Le mari n'était pas satisfait de la femme ou la femme n'était pas satisfaite du mari. Yes, there was. Réponse, and oui, I remember at least one woman. Je me rappelle en tout cas d'une femme qui a husband. Dit from avoir her side divorcé de son before mari the Khmer Rouge. Avant and I thought les Khmer it's extraordinary, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire the women comme expérience the war. Pour une femme avant la guerre. My next question. La défense. For those daughters who agreed to follow their parents' decision, was their following of their parents
based on et quant aux filles qui décidaient de payer à leur parlant, est-ce qu'elles le faisaient par amour pour leur futur époux ou est-ce qu'elles le faisaient parents? Par respect et par égard aux parents? I would say that the daughters agreed réponse. On the marriage. Je dirais que les filles consentaient au mariage parce que, comme justement dit le juge, auparavant, il y avait une confiance to show their respect to their parents envers and les parents. To la fille faisait confiance à ses parents et c'était également une façon de manifester leur gratitude à leurs parents. Je dirais donc qu'il était extrêmement rare with their parents' decision because of her passion or affection to the man that she was marrying to. Soit d'accord avec la décision prise par les parents par affection ou passion envers son futur époux. Talking about her love, In love with the man before question. The marriage took place or after la fille the marriage took place? Amoureuse avant le mariage ou après le mariage? The term love réponse is very difficult term to speak or to identify under the Cambodian le terme culture, amour dans la culture cambodgienne est difficile à identifier. C'est difficile de parler d'amour. Les femmes prenaient pour argent comptant qu'elles avaient un mari, qu'il fallait respecter leur mari husband, et qu'il fallait, entre guillemets, aimer son mari. Mean very mais complex amour, issues. C'est une notion and qui englobe d'autres notions complexes. Et de ce que j'ai compris, before the Khmer Rouge, if a woman toujours avant les Khmer Rouges, have genuine love si une femme to her éprouvait husband, un amour authentique envers son mari, for her life. C'était because love is signe not de bonne fortune pour sa vie, parce que l'amour n'était pas automatique, and ne découlait pas ou ne résultait pas automatiquement du mariage. Bon nombre de femmes étaient obligées de montrer ce type d'affection pour un homme. Because you have talked about the decision question. Of marriage, that the decision came from the parents. Vous avez dit que c'était les parents qui prenaient la décision du My mariage. My question is that especially focusing on women. Dans ma question, je souhaite could they choose their own life partners, or they had to fulfill the obligations to their parents? Ou devaient-elles obéir à l'instruction de leurs parents? To clarify my question, I would like to rephrase it. Que je suis en train de dire, because je based on Khmer traditions, la tradition the marriage ceremony was the decision by the parents. So my question is that in the context before 1975. Donc, for avant the woman 1975, who were to marry a man, could she choose her own une femme appelée life à épouser partner, un homme, pouvait-elle choisir the, son futur mari? Traditional requirements, she had to fulfill the obligation ou of being a doctor by following the parents' decision. S'en tenir à respecter la décision de ses parents. The daughters have to follow the decision of the réponse. Parents. Les and filles as I devaient said, obéir à la décision de leurs parents. Et comme je l'ai dit, j'ai très rarement vu une femme prendre l'initiative de son mariage avant l'époque des Khmer Rouges. Elles attendaient que leurs parents prennent une décision pour elles. Thank you. There is a Khmer proverb question. That a cake should not be bigger than its mold. Je vous remercie. Il est un proverbe khmer qui dit que un gâteau ne doit pas so être plus grand que son moule. Proverb is embedded in the Khmer culture ce and proverbe does, est profondément that, ancré dans la culture influence, khmer. The
the arrangement of a marriage. Comment ce proverbe influençait-il le mariage? It's very interesting to me that you raise up this proverb again. Réponse. Je trouve très intéressant que vous souleviez à nouveau ce proverbe parce que lorsque l'on parle de l'oppression des femmes au Cambodge en général, on parle du Chbap Srey. And not this proverb. Et on ne parle pas de and ce as proverbe. I said again, et comme je vous l'ai déjà dit, it is not a single proverb, je répète, but ce n'est pas un proverbe isolé. Which, I would say, which was manifested with Chbap Srey, c'est la tradition qui prend corps dans le Chbap Srey, selon lequel les femmes doivent se soumettre, doivent obéir et obéir à l'homme. Et bien, c'est cette structure qui comprend notamment ce proverbe, c'est cette structure qui régit comment la femme doit se comporter. Yeah, so it's misleading to just quote one donc ne citer qu'un seul proverbe, cela induit en erreur. Thank you for clarifying on this issue. La défense. Je vous remercie d'avoir fait la lumière sur cette question. Je pose ma question suivante. Is related to the issue of the tradition. Can I conclude that in the Khmer society before 1975, dans la société Khmer avant 1975, la décision du mariage were solely the affairs of the parents, not from the sentiment or feeling of the daughter. N'était pas l'affaire du cœur de la fille. Le président, pourriez-vous s'il vous plaît reformuler votre question? Liswana, thank you, Mr. President. Maître Liswana, je vous remercie, Monsieur le Because Président. Because you are an expert. Madame. I. Puisque vous êtes expert, would like to seek je souhaite your insights on the vous demandez contact votre of this Khmer society before 1975. Sur la société Khmer qui constitue le contexte de la société that, avant 1975. Est-ce que ce contexte social that the decision of marriage was solely the affairs of the parents, que le mariage not the était affairs of the daughters. Uniquement et non pas Is my understanding de la correct? Fille. Est-ce que j'ai bien compris? Yes, that's correct, and I think I had the discussion about this Réponse. With the judge. Oui, c'est correct. Already. Il me semble que nous avons déjà abordé cela avec le juge, donc je vous confirme. In en regard effet, to the daughters, women. It is a matter of S'agissant the family, des particularly femmes, the des decision filles, c'est by une affaire the parents. De famille et la But décision on the other est prise hand, par for les the parents. Boys, mais boys en revanche, initiate les garçons, marriage eux, avaient la possibilité de prendre l'initiative de leur mariage en This demandant right à leurs parents initiation was impossible for a daughter. Leur opinion au sujet d'une potentielle épouse, ce qui n'était pas le cas des filles. So the decision was solely made by the parents. Question. La décision a été donc prise uniquement par les parents. I would like to seek your insights about the daughters. Were the act by the parents Quel est votre avis? Violated the au sujet the rights of the daughters? Est-ce que les droits des filles étaient in terms enfreints of affecting par leurs parents? Her sentiments and her choice for her own life. Des répercussions sur la capacité des filles à faire the situation before 1975 is very different from that of now. Avant 1975, la situation était bien différente de celle qui prévaut aujourd'hui. Et d'après ce que j'ai compris, les parents étaient obligés the best option de trouver her, their le meilleur parti that include pour the marriage. Leur fille et l'avenir de and leur fille. The daughter internalized the idea donc that cela comprenait également la notion du mariage. Donc la fille tenait pour acquis que ses parents allaient faire le meilleur choix possible pour elle et que donc elle n'avait plus qu'à respecter le choix des parents puisque c'était le meilleur choix pour elle.
What about the grooms? Before 1975. Qu'en est-il des futurs maris avant 1975? How many percentage of men who were obliged to get married based on their parents' decision? Quelle était la proportion d'hommes à devoir se marier en respectant la décision des parents? I'm sorry, I do not have any percentage with my hands. Je m'excuse, je n'ai pas studied, de pourcentage particulier à vous présenter, mais dans le cadre des études que l'on a évoquées hier, il a été relevé qu'il était désirable, souhaitable, traditionnellement, que ce soit le garçon qui ait l'initiative du mariage en faisant une proposition à sa famille. Mais dans mes études, ce n'était pas très courant. Il n'était pas courant que le garçon propose un mariage à ses parents. Lorsque le garçon atteignait l'âge d'avoir des enfants, 18 ans, 20 ans, en général, c'est les parents qui songeaient à trouver une bonne épouse pour leur fils. Thank you. La défense, merci. Now we focus on the marriage ceremony before 1975. Je vais à présent me concentrer sur la cérémonie de mariage avant 1975. Mr. President, I would like to read. Monsieur le Président, je souhaite lire le document E3/96/14. It was a study. C'est une étude. By Abihara, par Abihara, whose name was raised by the co-prosecutor yesterday. The on in command le is 217340 and in English 01037039. Let me quote. There were two theses in 1978 by Ibihara. It was based on a survey in anthropology. It was about the livelihoods in the broad geography before the K regime, and that included the marriage ceremony. Cette étude porte the ceremony of marriage took place for several days, and it contained a lot of cultural meanings in that ceremony. The marriage ceremony was the happiest ceremony. Cette cérémonie était and la cérémonie it was la plus joyeuse. The most wasteful ceremony in a person's life. C'était la cérémonie and la plus significative it was, carried out de la vie with d'une great personne. Details and beaucoup de soins aux détails attention. Et beaucoup d'attention it included aux détails 13 de cette cérémonie. Parts of cette a religion, end of quote, free translation. Comprenait 13 my question is that before 1975, because the Khmer traditional marriage ceremony contains many aspects of the culture. Et la suivante, la cérémonie de mariage. And that ceremony is also needed to be spent a lot of money. So, do you think that the spending of resources, especially money, on the wedding ceremony was considered as wasteful, like what the expert raised? C'était gourmand en termes d'argent, cette cérémonie, comme l'expert répond. Je suis d'accord. It's a very, very important event. Mais so they pour don't think les Cambodgiens, it's a waste. C'est très, très important comme cérémonie. Et donc, à leurs yeux, ce n'est pas du gâchis. Thank you. Regarding the question, expenditure, which side was responsible for it? Qui devait payer le mariage, justement? It depends. Because there are a lot of negotiations. Réponse.
Before the marriage ceremony, cela dépendait parce que avant la cérémonie de mariage, il y avait toute une négociation prepared, sur le nombre de tables à préparer, le nombre baked, de gâteaux what kind of à préparer, should be given. Le nombre, so it depends le type on the de cadeaux à offrir, tout dépendait de l'issue des négociations et donc je ne peux tirer weddings. Aucune généralité sur l'ensemble des mariages. Non. Have you ever aware or heard about the dowry? Avez-vous jamais entendu when parler a man proposes a marriage dot. To a woman, lorsqu'un and then homme the woman's femme en family la famille would raise de la future about épouse the conditions regarding dowry? Fixer les conditions de la dot. Yes, and I am aware that this system réponse. Still be practiced. Oui, je now suis au courant de society. Ce système qui perdure encore aujourd'hui dans la société cambodgienne. So that was the responsibility of the man's question. Family that had to fulfill the conditions set by the woman's family. Is de that l'homme correct? De respecter les conditions imposées par la famille de la femme. Est-ce que c'est exact? If we talk about dowry, réponse. Yes. En ce qui concerne but la dot, oui. The wedding ceremony might have costed mais la cérémonie de mariage that the groom coûtait parfois story. Plus que ce que then, devait verser la famille to have du gendre à la famille de la future épouse. Si une famille souhaitait que le mariage soit plus grand, il était possible de réduire la dot to make the ou alors l'autre as they partie want. Pouvait trouver davantage de fonds afin que le mariage soit exactement comme il le souhaitait. Before 1975, because you have conducted studies in many places in Cambodia. Question. Vos recherches ont été menées so en my question is that before 1975, ma question est la suivante. Avant the groom 1975, or the man futur who was from a poor family, qui venait d'une famille pauvre. Did he have the ability to fulfill the dowry requirement by the woman's family? Respecter la dot et verser la dot demandée par la no. famille de la femme. And réponse, I met non. several people who are very et j'ai rencontré poor, plusieurs personnes many qui sont poor, très pauvres. But extremely poor de nombreuses before personnes 1975, étaient pauvres, mais étaient extrêmement pauvres avant 1975. Describe ces their personnes wedding to be very simple. Ont rapporté only que leur mariage était très the family simple. In the il n'y avait que les membres de la guest, famille they couldn't afford sans aucun to invité pay for any dans la maison parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer une grande célébration. I want to get your clarification regarding the ceremony. Yesterday, through the Khmer translation, question. You je said that before the marriage sur la cérémonie hier, ceremony, dans l'interprétation, vous avez dit, both sides had to inform the local les authority. Deux parties devaient informer les autorités locales de so la cérémonie. Was it an act of informing the authority or an act of seeking the permission from the authority? Est-ce que l'acte qui était accompli c'était celui d'obtenir l'approbation so ou la validation des autorités by the ou law d'informer that les autorités? C'est-à-dire la loi prescrivait-elle qu'il fallait or was it just simply an informal information to the authority? La loi disait-elle qu'il fallait simplement informer les autorités? It was I think it was in the law, but réponse, in practice, je crois que c'était dans le droit, dans la loi. People did not mais dans la pratique, inform les gens the authority n'informaient pas by les autorités registrating their marriage as they are doing now.
en enregistrant leur mariage comme on le fait aujourd'hui. Sauf une personne, une femme que j'ai interrogée, elle se rappelait avoir été au bureau local pour enregistrer son mariage. Elle y était allée avec sa mère. Outre cela, je fais partie de l'hypothèse que la participation des autorités locales sous la forme d'un chef de village au mariage est-elle l'équivalent d'un enregistrement ou d'une autorisation de la part des autorités locales? Maintenant, pour répondre à votre question spécifique, devait-on l'informer spécifiquement pour avoir l'approbation? Cette approbation n'était pas nécessaire. Je n'ai entendu aucun homme ou aucune femme me dire qu'il ou elle avait besoin d'obtenir l'autorisation de mariage. En revanche, ce que j'ai entendu certaines femmes le dire, c'est que lorsqu'elles essayaient d'organiser leur cérémonie de mariage en 1973 ou 1974, les autorités locales, c'est-à-dire le chef de village, interdisaient que l'on organise de grandes cérémonies par peur des bombardements. Donc, ils n'avaient pas le droit d'utiliser la lumière, ils ne pouvaient pas utiliser de musique diffusée forte, et le mariage devait être court et bref. In that marriage ceremony, question. Was there the attendance of priests or clergymen? Merci. Y a cette cérémonie de ceremony, mariage, y avait-il des whether prêtres the clergymen ou des membres du clergé? Gave any advice to the couples? Est-ce que ces membres du clergé conseillaient le couple? Excuse me, I don't understand this English translation. Je n'ai pas entendu la traduction anglaise. Vous avez dit clergyman. De quoi s'agit-il? Je pense qu'il veut dire moine. Est-ce exact? La défense. Il s'agit de Ajah or clergyman in the Buddhism, the one who organize dans le bouddhisme, c'est la personne religiously qui the marriage organise le mariage based on your sur le plan religieux. Did you observe that the clergyman or Ajah d'après vos observations, to the, est-ce que l'Ajah newlywed donnait des during conseils the aux jeunes mariés au cours de la cérémonie? Réponse. Je n'ai pas interrogé des couples musulmans. Mes recherches portaient sur la majorité des Khmers qui pratiquent le bouddhisme. Et en cas de mariage avant 75, avant les Khmers rouges, même si la cérémonie était modeste, il y avait là des moines bouddhistes. Quant à l'Ajah, je ne sais plus si chacun a fait état de la présence de l'Ajah, mais sa présence était fondamentale dans l'organisation du mariage, au même titre que la présence des moines. Lawyer, thank you. I want to clarify the point with you. J'aimerais préciser. Were there senior people or parents des aînés in the wedding to advise the était-il présent lors de la cérémonie de mariage et ce pour donner des conseils aux jeunes mariés live together happily to consummate the marriage heureux, and not en vue to de consommer le mariage arguments ou d'autres after the marriage consistant à leur dire de ne pas se quereller. Did you observe that there was one time in the wedding day that the senior le jour people du mariage, or parents avez-vous vu gave advice si des aînés, to des parents the ont donné des conseils au jeune couple have the conducts like I mentioned based on the codes of conduct for men and women en fonction du code de conduite destiné aux hommes et aux femmes?
I saw some photos of the J'ai vu certaines photos prises lors de mariage. Et on y voit le marié et la mariée en présence des aînés, des membres de la famille qui les entourent. Ceux-ci bénissent les mariés et parfois ils peuvent peut-être aussi leur donner des conseils. Regarding the pre-1975 period, parlons de la période antérieure à 1975. D'après vos recherches, vos enquêtes, did you find that some avez-vous constaté husband and wife after the marriage did not agree to consummate? Après le mariage, were there such cases? Des époux n'ont pas accepté de consommer leur union. Est-ce que cela est arrivé? Réponse, oui. Je pense en avoir parlé brièvement hier. J'ai dit avoir interrogé une femme laquelle m'a dit avoir consommé le mariage 3 mois après la cérémonie, tant l'époux que l'épouse étaient très timides. Lawyer. Question. Did you find the case that when the d'après vos recherches, husband and wife did not agree to consummate les époux the marriage, did you find that if there was such a case, et le cas échéant, parents of both sides called them into a meeting to discuss about the issue? Des époux les ont convoqués pour en parler? I just found the question very interesting. La question me semble très intéressante. As I said, the comme je l'ai dit, privacy was also very important for any le respect life. De la vie privée and est très important I pour chacun. Could not imagine any parents je ne pourrais pas imaginer about their children's de parents nightlife. Qui but as I said, en viendraient à s'enquérir de la vie nocturne de leurs enfants. Mais comme je l'ai dit, peut-être qu'ils ont posé des questions quant à l'éventualité d'une grossesse. Il est très fréquent de poser la question, mais une question n'est jamais posée concernant les activités nocturnes du couple. Question. Lawyer, based on your study and research sur about the period before 1975, was there a case that a man est-il forced the wife qu'un homme to son épouse sleep together? Did such a case happen avec before lui. 1975? From my interviews, réponse. I do not recall dans le cadre any case de mes interviews, like that, je n'ai pas souvenance de cas similaires. General, mais de manière générale, time, quelle que soit l'époque considérée, 2016, avant 1975 ou en 2016, je pense que so de tels cas sont no possibles. Donc je ne peux pas répondre par la négative. Lawyer, you said no from what I heard. So, what are your basis to that answer? Sur quoi vous fondez-vous pour répondre ainsi? I said sorry. Réponse. If I was wrong, excusez-moi, I was saying, peut-être me suis-je mal exprimé, mais j'ai dit qu'il était possible qu'un époux contraigne sa femme à consommer le mariage. C'est ça que j'ai voulu based répondre. On the studies on violence against women, sur la base d'études relatives à la violence contre les femmes au Cambodge ou dans tout autre pays, it was reported that il a été signalé
que le viol conjugal était une réalité au sein du couple marié. Et ça doit être vrai, quelle que soit la période envisagée. Bah, okay. Lawyer, question. Perhaps, il y a peut-être eu un problème d'interprétation. J'ai une question de suivi concernant le mariage traditionnel au Cambodge. Vous avez dit que la femme devait honorer ses obligations telles qu'imposées par les parents. Vous avez dit que la femme devait obéir à ses parents, se soumettre à leur volonté. Did you find that the woman, avez-vous after they were raped by the men, by the husband, filed a complaint with the court? Qu'il y a eu des cas dans lesquels le père de la mariée aurait porté even plainte now, contre son gendre devant les tribunaux en cas de viol conjugal. President, please wait, Miss Expert, you may not proceed. The deputy co-prosecutor. Veuillez patienter l'accusation à la parole. L'accusation. Une objection quant à la base factuelle de la question. L'expert n'a pas dit avoir entendu de parler de cas dans lesquels il y aurait eu avant 1975 des viols. Elle n'a pas dit si il y a pu avoir de tels cas. Ce n'est pas ce qu'a dit l'expert. And can we please generally Juge Fence, move from de façon générale, generally interesting questions évitons to really relevant ones, les questions and générales, pour intéressantes qu'elles soient, limitons-nous aux questions de nature légale en évitant les questions répétitives. Lawyer, la défense. Thank you. Merci. I'd like to move to a set of new questions. Je passe à une autre série de questions. After the decay period, that is après la période du Kampuchea January, démocratique, autrement dit à compter du 6 janvier 1979, did the tradition and custom of marriage est-ce que after les coutumes the decay remained the same mariage as the pre-1975 period? Ont été identiques à celles qui prévalaient avant 1975. Je pense qu'il y a un manque de connaissances, notamment pour ce qui est des mariages célébrés juste après la chute des Khmers Rouges en 1979, et ce jusqu'à la période de la fin des années 1980. Pourquoi? Parce que la religion a été détruite. Et donc, il était pratiquement impossible d'inviter des religieux, des moines ou un ajar au mariage. Les familles ont été séparées. Je suis sûr que beaucoup d'hommes et femmes célibataires étaient désireux d'abord de réunir la famille. Cela a pu prendre quelques années. Pour ma part, en tout cas, je ne dispose pas de récits pour la période immédiatement postérieure à la chute des Khmers Rouges, pour ce qui est des mariages. Lawyer. Question. I was not as specific in my question earlier, but now I'm trying to be specific. Mais à présent, specific. Je vais tenter de poser des questions plus précises. 7 January 1975 up to now, is the decision to marry a child dependent on the parents? Est-ce que la décision du mariage incombait aux parents? In my opinion, Cambodia has à mon avis, been going through a dramatic le Cambodge a traversé des bouleversements socioculturels extrêmes qu'on peut qualifier de révolution sous l'influence de la mondialisation among the women. So et aussi de l'évolution de la situation des femmes. How the women and men nowadays are getting married. On peut s'interroger sur la façon dont les hommes et les femmes se marient aujourd'hui. Beaucoup de femmes décident d'épouser telle ou telle personne et vice-versa. Mais il y a aussi une tradition qui persiste selon laquelle les parents arrangent le mariage ou forcent leur enfant à se marier, surtout si c'est une fille. Et
si un homme est dans la trentaine, s'il a un bon travail, s'il est sans épouse, les parents, les membres de sa famille s'empressent de lui trouver une épouse. Donc la tradition demeure, mais il y a eu des bouleversements spectaculaires. Lawyer, thank you. Question. I am now discussing the period of the decay, that is the democratic Cambodia, from 17 April 1975 up to 6 January 1979. You conducted the research vous avez mené des recherches on the decay concernant la dite période. Did you hear a statement from any witnesses that the Anka was their parents? Rapporté que leurs parents c'était l'Ankar. Réponse. I asked many people. J'ai interrogé beaucoup de gens. What slogans? En leur demandant. Do you remember from quels étaient the les slogans Khmer Rouge time? Qu'ils se remémoraient de l'époque des Khmer Rouges. And I think I had rarely me semble this word Ankati Apokmadai. Qu'on m'a rarement I think dit I had one or two Ankati Apokmadai. But l'Ankar, c'était mes parents. Years, je l'ai peut-être entendu une ou deux fois. Mais après 40 ans, beaucoup was. De gens ont pu oublier so les slogans de l'époque. Just a loss of memory. Peut-être que c'est donc un simple problème de perte de mémoire. Lawyer, I would like to quote question. A statement from a witness une déclaration d'un témoin to de CTW 919 testifying in May 2015 at 46 seconds. He was the chief cette of the Jingdong commune, chef in d'une commune Takaos. Du district de Tram Kak, province de Takao. That she said that cette personne a dit ceci. The chief of the unit was considered the mother, and everyone in the unit called that chief mother. La chef était considérée comme la mère. Chacun l'appelait ainsi. The people maman. Called the chief. Ensuite, on lui demande pourquoi. Mother, because et cette personne the répond chief of que the c'est parce que loved the workers la chef de la commune aimait les travailleurs sentimental support et leur to the workers, and the marriage un réconfort was also organized psychologique. By, et chief. En outre, c'est cette chef qui organisait les mariages. And if the men and the women agreed si with one another to get married, they marier, could propose the marriage to that commune chief. À cette chef de commune. Free translation from interpreter. I would like to ask about the situation of marriage, marriages vous interroger in the DK sur les mariages and, remontant à l'époque du Cambodge démocratique. Marriages were said to be matched by the chief of villages and communes. Il a donc été dit que c'était les chefs de communes et de villages qui organisaient like les mariages. I would like to ask you. Et à présent, voici ma question. Did you ever find in your research or study that the workers in the period considered jamais rapporté the que durant la période en question, chief, les travailleurs chief, considéraient que les chefs de communes parents. Ou de villages étaient leurs parents? Perhaps the village chief wanted peut-être to be nice que le chef du village voulait se montrer aimable, jouer le rôle de père ou de mère envers la population. My study showed en very revanche, different mes results. Études donnent des résultats très différents. Concernant mes recherches sur l'enfance en période de guerre, j'ai des données sur 151 personnes qui étaient enfants sous les Khmer Rouges, et je leur ai posé la question précisément. Je leur ai demandé de qui ces gens avaient le plus peur sous les Khmer Rouges. Et la plupart des gens interrogés, je n'ai certes pas le pourcentage, mais la majorité écrasante a répondu avoir eu peur d'un chef de groupe, d'un chef de village, ou d'un soldat Khmer Rouge, ou encore un autre Khmer Rouge exerçant des fonctions particulières. Donc, si
l'enfant avait peur de l'autorité, par exemple, du chef de village, on peut se dire que cette logique reste valable aussi pour les adultes. Voici donc ma réponse. Je n'ai pas constaté ce type de situation analogue à ce que vous avez lu. Je n'ai pas constaté que cela soit analogue à ce qui se produisait dans les régions où j'ai procédé à des interviews. Lawyer. Question. Can you clarify for the court based on your study, particularly sur la base in the de vos recherches, areas that you were involved en in? En particulier des recherches auxquelles vous avez personnellement participé. How men and women matched de quelle façon the, them together and des who made the decision to marry the couple? Qui prenait la décision de marier tel homme à telle femme? Je pense en avoir déjà brièvement parlé hier. Juge Fens, effectivement, si vous avez des questions supplémentaires qui ne sont pas répétitives, veuillez les poser. Mais comme je l'ai déjà dit, évitez les questions qui sont manifestement répétitives. Lawyer, my next question is about the influence of culture and also of decisions de l'influence de la culture from the parents in the decay, de l'influence des parents. Were parents entitled to be engaged in the decision making based on your research and study? Le droit de participer à la prise de décision d'après vos études et vos recherches. Again, I apologize that I think je I vous have présente à nouveau mes excuses. Je pense en avoir déjà parlé hier. J'ai dit que dans le cas des mariages autorisés, à savoir les mariages dans le cadre desquels le couple sollicitait l'aval des Khmer Rouges, alors là, dans la plupart des cas, les parents s'impliquaient activement dans le processus. Ils participaient à l'approbation. En revanche, dans le cadre des mariages forcés, les mariages qui ont été imposés directement par les Khmer Rouges, ces mariages-là ont contourné les parents. Les parents ne se sont nullement impliqués dans ce type de mariage. Lawyer. Question. I want to explore more about the marriage, marriages were attended by the parents, and then there were des forced marriages. De la présence des parents, il y avait ce cas de figure, et il y avait aussi des mariages forcés. Marriages happened in different forms or based on different areas? Ont-ils pris des formes différentes en fonction de l'emplacement considéré? Réponse. The way how the marriage ceremony was conducted, les modalités de la cérémonie de mariage étaient très analogues d'une région à une autre. So it was like a meeting.
En gros, c'était une sorte de réunion. Seuls étaient présents les futurs époux et des Khmer Rouge, des gens représentant l'autorité. Le plus souvent, la famille, les parents n'y étaient pas. La cérémonie était très brève. Et indépendamment de la volonté des mariés, ils devaient prononcer un serment et dire à l'Ankar qu'ils se mariaient de leur plein gré. Question. I want to ask the marriages in different locations, for example, in a village. S'agissant des mariages intervenus à différents endroits, je prends l'exemple d'un village. If a group of people requested si to marry one another, des gens and the request was and if the request was made to the village chief, then et que la demande était transmise au chef de village, if the request was granted, the marriage could si l'approbation proceed. Était donnée, but le mariage that avait lieu. Was different case in another location. But I want you to clarify whether est-ce que forms la of marriages varie d'un endroit different à l'autre? In based on locations. If I understand correctly, so you are asking si j'ai bien compris la question, vous m'interrogez sur le processus conduisant au mariage. Vous me demandez comment cela a été organisé. Lawyer, my apology. Perhaps my question is not clear. Yesterday, you testified before the chamber that there were two types of marriages in the DK. One type was that the request was made by the parents to the village chief or village commune to marry their children, and the marriage could proceed after the request was granted. And another type was the marriage organized by the village chief or commune chief, and you said that the latter was a form of forced marriage. Si vous dites que c'était une forme de mariage forcé. My question is et voici ma that question. Were the two types of marriages ces deux types de mariage happening in the same location or they happen or did they happen in different partout, locations? Ou bien est-ce que cela variait d'un endroit à l'autre? I think it's a mixture. Je pense mixture of all the areas that I visited. There were men and women who submitted différents cas de figure. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont fait une demande dans certaines régions, et il y a d'autres régions où ils étaient forcés à se marier. I would like you to draw a comparison question. Between the marriage ceremony before 1975, that you said that before 1975, the poor families would conduct the marriage ceremony in a simple way. Les familles pauvres organisaient des cérémonies modestes, tandis que les familles aisées organisaient des mariages plus somptueux. So if you compare si l'on compare conditions of poor people who married before 1975, des pauvres and qui se mariaient avant 1975, d'une part, et la situation des gens qui se sont mariés sous les Khmer Rouge, quels sont les points communs, quelles sont les différences? Pour ce qui est des points communs, c'était que la cérémonie de mariage était simple, mais ça s'arrête là, il y avait beaucoup de différences. In the wedding ceremonies in DK, sous le campus démocratique, en général, à la cérémonie du mariage, les parents, la famille n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas autorisés en général à être présents. En plus, il n'y avait pas de rite religieux, car les Khmer Rouge avaient aboli la religion. Dans la plupart des cas, aucune nourriture spéciale n'était servie. Même les familles pauvres préparaient des fruits, un poulet pour le mariage. Or, sous les Khmer Rouge, cela n'était pas fourni, même si cela variait beaucoup d'un cas à l'autre. Il y a eu aussi sous les Khmer Rouge de grandes cérémonies.
Je dirais donc que le point commun était seulement le fait que la cérémonie était simple, et je dirais aussi qu'il y a en revanche eu beaucoup de différences. President, I would like to seek your permission to ask one more question before I transfer to avant my colleague. Avant de céder la parole à mes confrères, yesterday, j'aimerais encore poser une question. Hier, raised a question l'accusation related to the vous a interrogé six principles au sujet of the 12 principles du 6e implemented des 12 during the principes prévalents sous le Cambodge démocratique. Ce principe Youth, Revolutionary et les autres ont été magazine. Publiés dans un numéro de l'étendard révolutionnaire. You said that some practices were implemented dit, based on these principles, parfois, while others were not implemented. Mais dans d'autres cas, non. So my question is based on your research. D'après vos recherches. Why some of the principles pourquoi were not implemented? Certains de ces principes was, n'ont-ils was pas été appliqués? Based on the decision by the local leaders est-ce que or what? Cela dépendait de la décision des chefs locaux ou non? Of je parle ici de l'application des 12 principes moraux. L'accusation. President Jack, you may proceed. Sorry, you know, I just would ask that he would clarify je demande which part of the principle he's à l'avocat to. De préciser à quel principe il fait référence. Il parle de 12 principes, le point 6 en est un, mais l'avocat fait référence à quelle partie exactement de ce principe? Thank you. La défense. I raised the sixth principle. J'ai évoqué le sixième which principe. The co-prosecutor said that selon l'accusation, the husband and wife could marry based on their les gens consensus pouvaient se marier and from the moyennant consensus leur consentement of the community et celui de la collectivité. So I would like to get your insight regarding the implementation of the sixth principle. Qu'en est-il de votre avis sur l'application du sixième principe? It was implemented. Est-ce que dans while certains in others, cas, ce principe a été mis en œuvre, tandis que dans so d'autres, based on your non? Research, d'après les résultats de votre recherche, pourquoi the sixth principle le sixième principe were not implemented? N'a-t-il was parfois pas été appliqué? Of the local, était-ce en raison de décisions prises par les chefs locaux of, ou était-ce en raison d'autres facteurs? President, the floor is given to the lead co-lawyer for civil party. But, the question raised by the defense counsel has already been asked l'avocat yesterday. L'avocat de la défense pose une question qui a déjà été posée. Liu Savannah, Mr. President, Savannah, as far Président, as I can remember, yesterday the rappelle, expert hier, said that in practice, the sixth morality. The sixth principle of morality les was implemented, but in some other circumstances it was not implemented. That's why I asked the question, cas, what were the reasons that donc, in some circumstances the sixth principle of morality were not implemented? President, thank you, and the floor President, is given merci, to the expert to answer the question. Question. Yes, thank you very much. To the eyes of je vous remercie bien. The Khmer Rouge, I assumed that this principle was implemented. Aux yeux des Khmer Rouges, j'imagine because que there was no doubt ce principe that était appliqué. Number one, both parties agreed. Parce que number two, il ne faisait aucun doute agreed. Pour eux que les deux and parties étaient d'accord et deuxièmement que side. Le collectif était d'accord. Et but ce, my c'était l'équivalent d'un accord pour les Khmer people, Rouges. Mon point de vue se fonde sur les gens qui devaient donner leur accord ou qui voulaient donner leur accord. Because I have both people that I met.
En fait, j'ai rencontré les deux cas de figure. Certaines personnes who requested the marriage, the process for the marriage until the wedding ceremony, et le processus conduisant à la cérémonie de mariage était très semblable au processus avant le Kampuchea démocratique. Les deux parents, s'ils étaient disponibles, participaient, approuvaient, et là, c'était une question de famille. Ils attendaient tout simplement l'autorisation qui était donnée par les Khmer Rouges. Mais dans le cas des mariages forcés, des couples mariages qui ont été forcés de se marier, il y avait au moins une des deux parties qui n'était pas d'accord, donc pas de consentement. Le collectif était d'accord. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens se moquaient éperdument des affaires des autres. Les Khmer Rouges could assume that they agreed. Donc, les Khmer Rouges pouvaient penser qu'ils étaient d'accord, mais le fait est que cela ne regardait pas, ce n'était pas leurs affaires. Et ils n'allaient pas faire une quelconque objection à la décision qui avait été prise par les Khmer Rouges. Voilà ce que j'ai dit. Excellent. Thank you, Council. It is Merci now time for lunch break. You may now proceed first before the break. Council for Mr. Kyo Son Phong. Merci, Monsieur le Président. C'est juste Thank you, Mr. une minute President, just pour demander l'autorisation à ce que j'ai omis de faire hier, de remettre à Madame l'experte les documents que nous allons éventuellement utiliser, compte tenu du fait que ce document, enfin ce classeur arrive tardivement. J'ai quand même, compte tenu des questions qui ont déjà été posées, j'ai pris la peine de souligner sur la liste qui figure en tête de ce classeur les documents qui seraient susceptibles d'être utilisés. Folder, the documents that we may use. Mais je voulais le remettre pour la, pendant la pause déjeuner avec votre autorisation. But I still wanted to provide to the expert this folder to the expert with the leave of the chamber. So I repeat, I've underlined in orange the documents that we might use in our examination. President, the request is granted. And Kotapsa, please bring the document to the expert. Vous en avez l'autorisation, je prie l'huissier d'audience de faire remettre ces documents. It is now time for lunch break. The chamber will take lunch break from now on until 1:30 when we resume our hearing. The expert, you can now have a rest for lunch break and you are invited to come here again at 1:30. Court officer, please bring Kyo Son Phong to the waiting room downstairs and have him back in the courtroom before 1:30 in the afternoon. The court is now in recess.